Félix Auger-Aliassime, alors boursier de la Fondation pour une première fois avec Saputo. Alors, comment tu te sens? Bien, quand je l'ai appris, j'étais vraiment excitée là, de savoir que je ressors une bourse avec un aussi gros montant que pouvoir m'aider à réaliser plusieurs rêves, que des tournées, etc. C'est ça. Concrètement, là, à quoi ça va servir cet argent-là? Parce que tu es en tennis, ça coûte cher. Est-ce que tu as acheté d'autres raquettes ou... Ben, en fait, j'ai mon commanditaire Babola qui me paye tout mon équipement. Puis sinon, ça va être plus pour les coachs, mon coach de conditionnement physique et pour payer mes tournées, mes entraînements. Mes entraînements avec le Centre national ici, 3 fois par semaine. Puis c'est ça, en novembre, je vais en Belgique et en France. Ça m'a aidé à payer ça aussi. Alors c'est tout. Dis-moi, comment tu as découvert ton sport, le tennis, et à quel âge? En fait, j'avais à peu près l'âge de 3 ans quand mon père m'a initié au tennis. Parce que mon père avait un bon niveau dans son pays, il était très bon. Puis c'est lui qui m'a initié au tennis, il m'a donné une raquette quand j'étais petite, puis ben, j'ai commencé un peu avec lui. Et là, tu as eu la piqûre, et qu'est-ce que tu aimes le plus de ton sport? Qu'est-ce qui te fait le plus triper? Ben, c'est l'esprit de combattre là, jusqu'à la fin, parce que c'est un des sports que t'as pas le temps à penser. Mettons au basketball, au football, il y a toujours le temps, mettons il te reste 2 minutes, mais au tennis, c'est jamais fini, puis l'effet de bataille, oui. Donc, tu es un combatif. Oui, c'est ça. Mais félicitations, puis bonne continuation. Puis on va te suivre toutes tes performances, autant sportives qu'académiques, dans les années à venir. OK, merci beaucoup.